Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Kenneth. Je suis le porte-parole du Comité pour la liberté à Hong Kong. J'ai beaucoup peur parce que c'est encore devant le public si grand comme ça. Ce n'est pas très souvent pour moi. Aussi, français, c'est une langue hyper difficile pour moi. J'essaie d'articuler bien. Je vais parler un peu plus lentement. Je préparerai beaucoup, je ne sais pas si je peux finir tous, mais en tout cas, si je ne peux pas finir tout ce que j'ai déjà préparé, n'hésitez pas à me poser les questions. On peut continuer toutes ces discussions après. Moi, j'ai essayé de diviser ma présentation en 10 parties, mais je ne sais pas si je peux finir. La première partie, je voudrais vous donner une brève introduction sur le récent régime chinois. Et pour commencer cette présentation, j'aimerais vous présenter brièvement les dernières années de l'évolution politique chinoise. Comme nous parlons maintenant de l'expansionnisme actuel de la Chine, j'aimerais laisser de côté l'ère de Mao et commencer par l'ère de Deng Xiaoping, qui est l'origine du modèle actuel de pouvoir et d'idéologie en Chine. Et là, en fait, j'ai essayé de lister certaines années que je pense qu'ils sont hyper importantes pour nous de faire connaissance de ce qui s'est passé récemment en Chine. Première date, c'était 1991. Ah, pardon, 1981. C'est quoi ça? En fait, c'est la conclusion de la deuxième résolution historique. C'est pour définir l'histoire officielle du Parti communiste chinois et aussi l'histoire chinoise par ce parti. Et puis, une année après, c'était la négociation sur la question de Hong Kong entre la Grande-Bretagne et la Chine. Pourquoi c'était si important? Parce que pour Deng Xiaoping, c'est un commencement de récupérer tous ces territoires. Et c'est aussi pour l'ambition chinoise pour récupérer aussi Taïwan dans le futur proche. Et puis 84, ça c'est la signature de la déclaration sino-britannique. 89, le massacre de Tiananmen, je pense tous ici connaissent aussi cet événement. Et puis 92, c'est un consensus avec Taïwan. Et en même temps, Deng Xiaoping a voyagé aussi vers le sud de la Chine pour observer le développement économique, aussi après sa politique de l'ouverture de la Chine. Et 97, c'est la rétrocession de Hong Kong. 2003, c'est la pandémie de SARS. Ça, c'est quelque chose d'assez catastrophique pour Hong Kong, mais aussi, ça, c'est le début de ce Covid. Et en même temps, c'était aussi la transition présidentielle entre Jiang Zemin et aussi Hu Jintao. Et à Hong Kong, le gouvernement chinois veut imposer aussi indirectement l'article 23. C'était un article à propos de la sécurité nationale contre le séparatisme, ce truc comme ça. Mais en fait, il y a eu une manifestation, mobilisation assez massive à Hong Kong. Qui a forcé le gouvernement chinois à ce moment-là de reculer, de retirer ce projet. Et puis 2008, c'est le séisme à Sichuan. Mais en même temps, ça, c'était aussi le Jeu olympique en Chine.
C'était une année qui est vraiment très importante. Pourquoi? C'est pour, comment on dit ça, c'est un pic de nationalisme au sein de la Chine et aussi à Hong Kong. Ce moment-là, à Hong Kong, il y a beaucoup de jeunes, comme ma génération aussi, qui pensent, qui sont aussi, qui s'étaient aussi très fiers d'être chinois. Mais là, en fait, ça change aussi très vite après. Pourquoi ça c'est aussi à cause du séisme à Sichuan? Parce qu'après ça, il y a aussi beaucoup de scandales politiques révélés. Et les jeunes ont trouvé en fait qu'il y a beaucoup de problèmes de corruption aussi au sein du gouvernement chinois. Il y a beaucoup de déceptions après. 2012, c'était la montée de Xi Jinping. C'est notre thème. Hein. Et encore, Hong Kong est devenu de plus en plus autoritaire. C'est sous le chef d'exécutif qui s'appelle CY Leung. Et puis 2013, ça c'est la proposition de la nouvelle route de soie par Xi Jinping et aussi le discours rêve chinois. En chinois, on dit Zhongguomeng. La proposition de l'intégration vers Hong Kong, c'est la Chine vers Hong Kong. Et puis 2014, c'est à cause de tous ces problèmes et aussi la réforme, entre guillemets, par Xi Jinping, ça a suscité le mouvement, la révolution des parapluies à Hong Kong. Mais en même temps, il y a aussi des attaques, des harcèlements physiques aux journalistes à Hong Kong par des agents chinois. Et à l'autre côté, à Taïwan, il y a eu des mouvements de tournesol. 2015, c'était une arrestation massive qui s'appelle 1669. Pourquoi ça c'est le 9 juillet. Il y a aussi l'incident Libo, c'est la disparition des patrons de Libéria à Hong Kong. Mais là, en fait, ces patrons, en fait, ils ont eu la nationalité en Suède. C'est pourquoi c'est devenu un événement qui a aussi été assez sensible politiquement avec la Chine. Et puis, en même temps, cette année, il y a la chute aussi des ONG à Hong Kong. Je vais expliquer après. 2016. Xi Jinping a essayé de passer la loi contre tous les ONG. 2018, à Hong Kong, il y a les déqualifications des députés au Parlement par le gouvernement central de Chine. 2019, c'était notre mouvement anti-extradition. En fait, Xi Jinping a voulu passer la loi directement par Carrie Lam, qui est notre chef exécutif à Hong Kong, voilà, pour cette loi. Et ça suscitait aussi ce mouvement massif à Hong Kong. Et puis 2020, c'est le Covid. Et puis Xi Jinping a passé directement la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, qui mène à la chute de tous les ONG, le recul de ONG occidentaux aussi, de Hong Kong. Il y avait aussi de contrôle, de plus en plus de contrôle d'Internet en Chine, la politique de redistribution de riches. Et maintenant, c'est la résolution. La troisième résolution historique. Ça, c'est tout les années importantes que je voudrais évoquer. Et puis, la deuxième partie, je vous l'ai dit,
Comment comprendre la philosophie de Xi Jinping et quel est le changement par rapport à la philosophie de Deng Xiaoping? C'est quoi la liberté, la démocratie ou le sang chinois? Là, en fait, il faut faire connaissance d'abord c'est quoi la philosophie de Deng Xiaoping à fond. Et puis, Deng Xiaoping était un leader chinois au fort charisme. Et des critiques à son égard ont toujours été controversées, car il n'a cessé d'osciller entre les idéologies du socialisme et du libéralisme au cours de sa vie. Pourtant, on peut dire plus précisément qu'il était un véritable disciple du pragmatisme. En chinois, il a proposé « shi shi chou shi », ce qui implique la poursuite de la fonctionnalité plutôt que les principes. Et il a dit aussi, je me fiche que le chat soit noir ou blanc, c'est le chat qui peut attraper les souris et le bon. En ce sens, quels que soient les quatre principes cardinaux ou les propositions des quatre modernisations, ce soi-disant de théorie, ainsi que le discours tenu pendant sa présidence, sont restés pragmatiques et fonctionnels. Et ces, entre guillemets, théories visaient à justifier les réformes et l'ouverture de la Chine dans les années 1990. En outre, il a été l'inventeur de la notion de socialisme ou caractéristique chinoise, c'est assez difficile à prononcer, qui est en fait un mélange de capitalisme, de socialisme, de la gouvernance centrale, de nationalisme et de l'autoritarisme. Autrement dit, il est proche à la notion national capitalisme autoritaire selon Piaget, Hennin et Amer Ansel. D'autres contributions importantes de Deng Xiaoping ont été la deuxième résolution historique qui a nié la légitimité de la révolution culturelle ainsi que la solution de la question sur Hong Kong. C'est quoi cette solution? Il a inventé un système qui s'appelle un pays deux systèmes, mais cette solution est en quelque sorte un modèle paradoxal à nier pour la gouvernance chinoise. Et Deng savait bien qu'elle ne pouvait être qu'une solution temporaire pour la question de Hong Kong face à la négociation à faire Thatcher dans les années 1980. Le célèbre professeur de la science politique, Chao Po-chung, de Hong Kong, à Chinese University, a soutenu que Deng avait de certaine façon un optimisme que la réforme politique du Parti communiste chinois se passera dans le futur proche. Il a affirmé que Deng Xiaoping espérait voir une véritable convergence démocratique entre la Chine et Hong Kong en 2047. Mais maintenant, on voit que ce n'est pas vraiment l'avenue attendue par Deng Xiaoping. Et puis, on arrive au régime de Jiang Zemin. Sa gouvernance, c'était entre en 1993 jusqu'à 2003. Et il a proposé les trois représentants. Et puis, en fait, Jiang Zemin, je veux dire, il visait le développement des zones côtières et son parti croyait en quelque sorte à l'économie de crucialement, c'est-à-dire en anglais on dit le trickle economy, grâce à lequel les problèmes de pauvreté pouvaient être progressivement résolus par le développement rapide des classes riches et classes moyennes. Il faut remarquer que la plupart des problèmes de corruption actuels se trouvent leur origine dans un développement économique rapide mais capricieux. Et après Jiang Zemin vient Hu Jintao, c'est encore
notre disant. Hu Jintao a tenu le discours de 8 honneurs et 8 hontes, 8 honors and 8 shames, qui rassemblait aux quatre, là, pour moi, c'est un peu comme la béatitude, vraiment ironique. On pourrait dire que ces discours sont plus chrétiens que le chrétianisme. Et Hu Jintao a également continué à défendre le discours de développement économique avec l'importance de croissance économique. Il a accordé beaucoup plus d'importance au développement scientifique dans tous les domaines. Il a baptisé cette phase de la Chine le socialisme scientifique. Et l'idéologie la plus importante à l'époque de Hu Jintao était la notion de société harmonieuse, harmonious society, en vertu de laquelle, en certain degré, de la société civique était tolérée. La culture de la pétition et de la consultation dans la société a atteint le sommet à cette époque. Cette tolérance existait non seulement en raison de l'optimisme suscité par l'ouverture de la Chine et la politique de marché relativement libre, mais aussi en raison des conflits internes et de la sauvegarde des intérêts des différentes factions au sein du Parti communiste chinois. Et puis Xi Jinping, alors marqué le tournant du récent régime de parti communiste chinois, avec l'introduction des gardes intégralités, il entendait centraliser à nouveau le pouvoir des différentes factions au sein du parti. Il a même aboli la limite de mandat présidentiel en 2018. Pour les problèmes apparus depuis Xi Jinping, je vais évoquer plus de détails dans la partie à venir. Mais ici, je voudrais souligner l'importance de la récente sixième plénière, voilà, le sixth plenary session. Ils ont déjà passé la semaine dernière. Oh, non, c'est la semaine cette semaine. C'est cette semaine, oui, c'est cette semaine. Pour le temps, c'est court, trop vite. Qui s'est conclu par la troisième résolution historique. Elle était particulière parce qu'une telle solution n'est pas proposée au moment historique dit critique. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous regardons encore les deux premières résolutions, l'une de Mao Zedong a été rédigée pendant la création de l'État, lorsque l'autre est venu après l'ouverture de l'État, c'est-à-dire l'ère de Deng Xiaoping. Mais quelle est l'importance de moment actuel pour le parti? Pourquoi le parti communiste chinois doit-il rédiger une résolution en ce moment? À proprement dire, aucun événement important, entre guillemets, de ce type n'est produit au cours de ces quelques années, et les médias étrangers pourraient donc penser que cette résolution a été créée pour stabiliser la position de Xi Jinping. Cependant, il s'agit également d'un geste politique créé par Xi pour sa propre philosophie, entre guillemets. Si Mao Zedong est la thèse de la dialectique du matérialisme historique, Deng Xiaoping en est l'antithèse. Et Xi Jinping entendait se faire la synthèse marxo-hégélienne. Une telle Aufhebung n'est pas née d'un tournant historique important, mais de la réalisation du rêve chinois. Dans ce sens, nous pouvons plus facilement comprendre pourquoi, premièrement, les rumeurs ont dit que Xi Jinping avait l'intention de dénoncer la contribution de Deng. Deuxièmement, Xi Jinping voudrait définir le massacre de Tiananmen comme l'anti-révolutionnaire.
Troisièmement, cette résolution doit être conclue pendant la période de, entre guillemets, stabilité au lieu de l'après-crise. Certes, en raison de la pression excessive dans le monde entier, le contexte de la résolution semble beaucoup plus doux que les rumeurs. Mais la définition de Tiananmen a été modifiée. On peut voir aussi, pendant cette résolution, Tiananmen a été décrit comme l'effet de la chute de toute la chute du régime soviétique, mais en fait c'est pas vrai, hein. Si on voit l'histoire, c'était à fond la chute de soviétique. En outre, le contexte plus doux de la résolution peut refléter le fait que Xi Jinping ne peut toujours pas éliminer complètement ses ennemis au sein du parti, surtout après la chute de Wang Huning. Et puis ici, je voudrais souligner aussi c'est un point important de Xi Jinping sur sa gouvernance. Première chose, l'affirmation de Dang Ling Dao Yi Shi. Cette phrase, le parti gouverne tous, est plus dominante que jamais. La démocratie est vraiment définie sous le règne de parti. Ce que l'on appelle la centralisation de la démocratie. Ça, c'est la définition de la démocratie par le Parti communiste chinois. Deuxième chose, l'état de droit, en anglais on dit rule of law, est en fait confondu avec l'autorité de loi. En anglais on dit rule by law. C'est pas le même dans le concept occidental, mais en Chine, c'est pareil. Une fois que le congrès du peuple adopte la loi, le peuple n'a plus la possibilité de désobéir. Et en plus, Xi Jinping a proposé aussi le système judiciaire ensoleillé. C'est quoi ça? En fait, ça, ce n'est qu'un déguisement au début du régime de Xi Jinping, prétendant apporter un système plus transparent, plus ouvert. Mais en fait, c'est pas vrai, hein, parce que ça garde aussi plus fortement un système des avocats qui s'appelle Guan Pai Lu Shi. C'est quoi ça? C'est les avocats envoyés par le gouvernement. S'il y a quelqu'un qui a été arrêté, par exemple, Vincent a été arrêté par Xi Jinping, et puis Vincent est trop pauvre, même si Vincent peut-être a beaucoup d'argent, hein, mais c'est pas grave. Hein. il est pauvre. Et l'État veut soutenir Vincent, et puis il a envoyé un avocat par l'État. Et puis après, c'est pas vraiment un tribunal ensoleillé, c'est un tribunal clos. Et là, c'est en fait, c'est quoi exactement l'état de droit en Chine? Troisième chose, la liberté est redéfinie dans le cas de l'autorité de loi, rule by law. Dès lors qu'un citoyen conteste la légitimité de la Parti communiste chinois ou Xi Jinping, il n'est plus possible pour lui d'exercer n'importe quoi la liberté. On peut voir, pendant le Covid, en fait, il y a beaucoup des avocats pour la défense des droits de l'homme. Ils ont déjà tombé en malade tout de suite. On ne sait jamais pourquoi. Dans la tous anti-Covid chinois, et tout de suite, ils ont déjà tourné en rouge. Ils sont déjà totalement interdits pour la mobilité. Quatrième chose, la rééducation devient un moyen de répression politique de plus en plus évident. D'abord, le Ouïghour, et maintenant, il y a des nouvelles aussi. Que les chrétiens ont été aussi arrêtés, emprisonnés dans les camps de rééducation. Et en même temps, la tolérance envers les organisations est nulle. Cinquième,
En fait, Xi Jinping est en quelque sorte inévitable, je veux dire. Si l'on considère l'histoire de la lutte politique à la fin de la présidence de Hu Jintao, on peut trouver, en fait, c'était une lutte politique entre Bo Xilai et Xi Jinping. Mais en fait, les deux avaient tendance à faire revivre des idées de Mao Zedong sur les luttes, entre guillemets, et la centralité de pouvoir. Tous les deux ont prôné un haut degré de nationalisme populiste dirigé par l'État. Si nous examinons de manière plus détaillée la composition de groupes derrière ces deux candidats, en fait, le think tank, on dit, dirigé par un homme politique qui est plutôt caché, peut-être vous ne connaissez pas exactement, c'est une personne que j'ai déjà évoquée, Wang Hunin. Wang Hunin, en fait, c'est qui en fait? Wang Hunin, il est un philosophe en fait, il est un philosophe très schmittien. Il a proposé toute la philosophie de Schmitt en mettant toujours antagonisme et aussi. Il a son croyant aussi un fort sentiment idéologique de gauche radicale comme la philosophie de Zizek, Badiou, mais c'est pas les éléments positifs, mais ils ont mis toujours des éléments négatifs dans l'exécution de l'autoritarisme. Et ils ont totalement adapté dans le cercle intellectuel. À ce moment-là, quand j'ai discuté avec des intellectuels au cercle académique en Chine, en fait, c'était 2017-2018, il y a déjà l'interdiction de Habermas, par exemple. Il y a de moins en moins de la discussion de Habermas, de l'écho de Frankfurt. Mais en même temps, il y a beaucoup de discussions sur Zizek, par exemple. Mais ce qu'ils ont déjà mis dans les discussions, c'est toujours, par exemple, les éléments sur populisme, ou les éléments sur comment on peut manipulation de pouvoir dans la réalité politique, etc. etc. Et le sixième, c'est cette idéologie se manifeste sous la forme de rêve chinois qui glorifiait fortement les contributions du Parti communiste chinois pour ramener l'ethnie Han à la grandeur. C'est un peu comme Truman, en fait. La diplomatie de la roue de soie ou la diplomatie de loup combattant ont servi la diffusion de cette idéologie. Et le dernier, c'est la redistribution de richesses. En fait, ça c'est une idée importante apporté par Xi Jinping récemment, mais en fait, il s'agit d'un moyen affaibli davantage le pouvoir de Jiang Zemin et Hu Jintao. Cependant, cela effraie également les riches de pays et apporte davantage l'incertitude. En outre, l'argent pris par le Parti communiste chinois n'a aucun moyen d'être rendu au peuple, surtout après la chute de l'ONG et de la société civile. Et les politiques dites de la lutte contre la pauvreté étaient plus ponctuées que durables. Et puis, la troisième partie, je voulais présenter le modèle de régime chinois. Je divise le modèle de régime chinois en garde-face. Le premier, c'est Mao Zedong. Mao Zedong, c'était un modèle totalitaire de centralité totale de pouvoir, sans capacité d'expansion. Et deuxième, c'est Deng Xiaoping. C'était un modèle oligarchie par lequel Deng Xiaoping a libéré un certain degré de pouvoir aux élites. Cependant, Deng Xiaoping doit toujours être le seul à pouvoir prendre la décision finale sur les questions importantes. Et troisième, je vous l'ai dit, c'est Jiang Zemin et Hu Jintao.
C'était un régime multifaction. C'est assez diverse, en fait, au sein du Parti communiste chinois. Avec ces tendances politiques multiples et diverses, un degré de tolérance plus élevé dans la société civile. Et il y a aussi le soulèvement, le mécontentement de cet groupe de masse dans la société civile. Et puis, il y a aussi des factions qui ont utilisé ces mécontents pour attaquer les autres factions. Il y a beaucoup de conflits internes. Et maintenant, c'est la phase actuelle chez Xi Jinping. Et c'est la renaissance de l'idéologie de Mao Zedong sous le couvert de la société ouverte, entre guillemets. C'est une forte tendance à l'expansion par le capital et aussi la puissance militaire. Et puis, je voudrais vous présenter la société civile. C'est la quatrième partie de ma présentation. La société civile en Chine. Comment il a été opprimé par Xi Jinping. Le premier point, c'est la chute des ONG que j'ai déjà évoquée, et aussi la chute de l'intellectuel public. En fait, 2015 a été l'une des années les plus horribles pour la société civile chinoise. Il y a trois ONG qui sont. Qui c'était plus important. Le premier, c'est Open Constitution Initiative. En chinois, on dit Gongmeng. Deuxième, c'est Transition Institute, Chuanjihang. Et le dernier, c'est Beijing Yiren-Ping Center. C'est Yiren-Ping. Les trois, en fait, ils ont pris les rôles plutôt différents. L'OCI, c'est-à-dire Open Constitution Initiative, était l'une des institutions les plus radicales, entre guillemets, avant 2010. Parce qu'elle a organisé des pétitions, des protestations pendant des années, et s'est battue dans de nombreuses affaires judiciaires contre des violations des droits de l'homme. Les fondateurs comme Xu Xinyong, Tang Biao, etc., étaient des juristes, des élites universitaires ou des représentants célèbres au sein du Parti communiste chinois. Et ça explique aussi pourquoi cette ONG a pu exister pendant des années. Lorsque OCI a été fermée, ainsi que l'arrestation de Xu Xinyong en 2009, les deux autres grandes ONG ont été fortement alertées par le changement d'attitude du gouvernement chinois. Après l'incident de l'incident Dang Yujiao, c'était une femme qui a été violée par le haut fonctionnaire chinois. Et puis, elle a avanché cette fonctionnaire. Et puis, après, ils ont déjà aussi applaudi par beaucoup des internautes à ce moment-là. Après cet incident, et puis le suffratage de Chen Guangsheng, il a été visité aussi par Batman. Des dirigeants tels que Guo Yushan de Transition Institute ont été arrêtés. En 2015, le Transition Institute et le centre Yiren-Ping ont été dissous. Bien que Transition Institute ait depuis longtemps été beaucoup plus doux que Open Constitution Institute, qui se concentrait sur les recherches et le plaidoyer politique, lorsque Xi Jinping adoptait une voix encore plus douce sur le brand légal et aussi de underground art. Les deux ONG ne pouvaient plus être tolérées par Xi Jinping. Et la fin des trois plus grandes ONG
a entraîné un sérieux effondrement de la sphère publique, intellectuelle et artistique. Deuxième chose, en 2016, en fait, Xi Jinping, c'est après tous ces événements en 2015, en fait, Xi Jinping a rompu la traduction de la législation à ce moment-là, parce que c'est pas exactement pendant la période de passer la loi. Et il a rompu cette traduction sans consultation symbolique, pour passer la loi de contrôle des ONG. Et les ONG ne pouvaient plus obtenir le financement de fonds étrangers, à moins que ces fonds ne soient placés sur la liste blanche par le Parti communiste chinois. En 2015, un autre grand incident a été la répression 1609, que j'ai déjà évoquée. C'était le leader du groupe avocat très connu qui s'appelle Wang Chengjiang. Et après plus de 300 avocats féministes et défenseurs de droits de l'homme ont été arrêtés et emprisonnés. Et puis le mouvement anti-sida a depuis longtemps été opprimé et considéré comme un scandale pour le régime du Parti communiste chinois. Toute organisation qui soutient ces campagnes ou le procès contre le sida a été gravement opprimé par Xi Jinping. Et puis le mouvement LGBT, avant, il était toléré jusqu'à Xi Jinping. Tous ces groupes LGBT ont été arbitrairement arrêtés et opprimés. Et tous ces LGBT, tous ces groupes LGBT qui liaient avec les campagnes anti-sida sont beaucoup plus fortement opprimés. Et puis, c'est pourquoi de nombreux groupes LGBT, il faut changer leur nom pour éviter de l'arrestation. Aussi pour adapter aussi le modèle de Xi Jinping, pour changer aussi, intégrer à faire le business. Parfois pour pour diffuser aussi la propagande de Xi Jinping, ou parfois utiliser des noms qui sont assez bizarres, par exemple les panneaux de couleurs. C'est quoi le panneau de couleurs? Parce que pour le Pride il y a des couleurs. Et sixième, c'est les élections régionales. Avant, comme ceux qui ont lieu dans les villages, existent depuis longtemps, en fait. L'ouverture de la Chine a permis à certains citoyens d'émanciper grâce à ces élections. Cependant, ces participations citoyennes régionales ont été réprimées depuis le déclenchement de la révolte de Wuhan. C'était une révolte en 2011. Et puis, septième, c'est les églises indépendantes. Avant, elles sont plus tolérées par Hu Jintao, mais jusqu'à Xi Jinping, c'est de moins en moins toléré. Et il y avait aussi la démolition des croix de l'église catholique, même officielle, pas le souterrain, de plus en plus fréquente. Et les institutions religieuses régionales ont été contraintes d'accrocher aussi l'image de Xi Jinping sur le mur, en remplaçant l'icône de Dieu. Et puis, il y a aussi le syndicat chinois qui s'appelle All China Federation of Trade Unions, ACFTU. Voilà. Là, c'est un syndicat qui était très applaudi par certains syndicats ici en France aussi. En France aussi, hein. Il y a certains syndicats très pro-chien qui disent « Ah oui, c'est un syndicat méfieux, mais en fait. » En fait, ce syndicat ne prend jamais le parti des travailleurs dans les conflits de travail. La plupart des travailleurs ne connaissent ni le rôle
la fonction de syndicat, ni les représentants syndicaux assignés dans le SUSIN. Par exemple, lors de la grève de 2014 dans une usine IBM de Shenzhen, les travailleurs ont signalé que la branche de l'usine de ACFTU était une farce. Et le cas de la lutte de la succession de Walmart à Shandong en est aussi un autre exemple pour ça. Il y a fait un directeur qui s'appelle Huang, fait ses offices de représentant syndicat de ce ACFTU, a organisé des travailleurs pour assurer qu'ils recevaient des indemnités de licenciement prévues par la loi lors de la fermeture de magasin. Mais Huang a rapidement perdu tout soutien de la part des responsables syndicaux supérieurs qui l'ont incité à faire des concessions. Et selon Huang, le responsable de ACFTU municipal lui a dit « Nous espérons que vous veillerez à ce qu'aucun dommage ne soit causé à l'environnement d'investissement de Shanghai. » Et déterminé à poursuivre cette affaire, Huang a été licencié du syndicat. Et puis en 2018, c'était aussi un autre incident de JASIC. Il était aussi un autre événement important, d'écrasement des mouvements ouvriers indépendants. Non seulement des travailleurs en grève ont été arrêtés, mais aussi des organisateurs étudiants qui ont été marxistes et même maoïstes. Ils ont totalement emprisonné, écrasé, tout le mouvement a été écrasé aussi par Xi Jinping. Et puis cette année, il y a fait aussi un dotaron de HKU, de Hong Kong, hein, qui s'appelle Fan Ren, a été capturé aussi, a disparu, en raison de sa participation au mouvement ouvrier, et aussi dans la recherche sur le mouvement citoyen. Le centre de rééducation est aussi une autre question sensible. Ce n'est pas seulement pour les Ouïghours, mais aussi pour tous les sans-prisonniers, pour les chrétiens aussi. Ils servent aussi de main-d'œuvre gratuite, supplémentaire, pour stimuler l'économie chinoise. Et la dernière chose, c'est le COVID. En fait, si on revoit aussi le COVID, Li Wenliang, c'était le whistleblower, le dénonciateur de la pandémie, a été emprisonné aussi par le gouvernement chinois. Bien qu'il ait toujours été un médecin pro-chinois et patriote. Il n'y a pas d'exception. Zhang Shen, une journaliste chinoise qui a couvert les premières semaines de COVID à Wuhan, a été condamné à 4 ans de prison pour avoir provoqué des troubles par le tribunal de la nouvelle zone de Shanghai en décembre 2020. Et aujourd'hui, elle risque une mort imminente si elle est maintenue en détention. Et ça, c'est déjà, comme on dit, il y a déjà un rappel de RSF, je pense, cette semaine, ou il y a quelques semaines. C'était juste 7 ans, 6 ans que j'ai évoqué. C'est pas tout ça, il y a beaucoup plus. Mais c'était déjà 7 ans, 6 ans qui sont assez importants. Et puis, maintenant, je reviens. Pourquoi la cinquième partie? Pourquoi Hong Kong est si important pour la Chine, pour le monde entier aussi? C'est quoi l'oppression de la société civile à Hong Kong? Mais tout début, il nous faut retourner un petit peu jusqu'à l'année 2008, 2009, 2010,
Et ce moment-là, en fait, il y a fait déjà beaucoup de critiques contre la Chine sur la colonisation économique. Pourquoi on dit la colonisation économique? Parce qu'en fait, à Hong Kong, on a un autre système judiciaire, un autre système économique et aussi un autre système de parlement indépendant. Même si on est toujours sous la souveraineté de la Chine, mais c'est pas pareil. Mais en fait, la Chine, en particulier après Xi Jinping, elle a essayé d'utiliser tous les moyens d'ingérer la politique, aussi toutes les opérations au LegCo, c'est-à-dire le Parlement de Hong Kong, en utilisant le pouvoir assez fort, les influences économiques de la Chine. Première chose, c'est l'acquisition d'entreprises par les capitaux et les entreprises sous contrôle chinois. Il y a beaucoup, il y a des presses, il y a des entreprises qui sont assez importantes à Hong Kong qui ont été achetées toujours par les entreprises chinoises, qui est toujours sous le contrôle du Parti communiste chinois. Et puis, il y a énorme quantité d'investissements immobiliers. Il y a beaucoup de monde, de riches, des élites, de partis qui ont été achetés des appartements, des maisons à Hong Kong, qui affectent aussi le prix des immobiliers. Et puis après ça, ils affectent aussi la géopolitique. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus aussi les citoyens de Hong Kong, et puis ils peuvent voter aussi dans les élections. Et dans ce cas, c'est aussi un plan d'infiltration du Parti communiste chinois. Et c'est pourquoi à Hong Kong, c'est un peu compliqué pour le thème de migration, parce qu'il y a beaucoup de gauche. Ils ont dit, ah non, en fait, il ne faut pas contre la migration chinoise, mais en fait, ça dépend, parce qu'il y a des migrations, des classes populaires, bien sûr, il a besoin de l'aide, il a besoin de venir à Hong Kong pour continuer à gagner d'argent, etc., etc. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de riches qui ont été importés, entre guillemets, par le Parti communiste chinois, qui complique aussi toutes ces politiques. Et donc, s'il y a des gauches-gauches radicaux ici en Europe qui ont défendu la Chine, vont dire « Ah non, Hong Kong, les militants à Hong Kong sont trop droites, trop capitalistes parce qu'ils sont contre toutes ces migrations. » Mais ce n'est pas vrai, parce que ça, c'est une situation assez compliquée. Et puis, il y a aussi beaucoup de trucages, de sauves, des territoires aussi. Et aussi, ça affecte aussi la qualité de construction des immobiliers. Et puis, avant Huawei, en fait, pendant les années 2010-2011, en fait, la Chine a déjà acheté beaucoup de télécommunications à Hong Kong. Et les banques aussi. Et ces banques peuvent aussi prêter d'argent aux entreprises chinoises. Et là, c'est en fait, ça c'est tout modèle comme ça. C'est un peu comme un avant-première pour la nouvelle route de soie, en fait. Par là, en fait, il a financé aussi beaucoup de projets culturels, artistiques, qui mènent aussi à l'autocensure des médias et aussi de l'industrie de films à Hong Kong. Et le plus important, c'est après, il y a aussi des White Elephant Projects. C'est quoi ça? C'est le grand projet d'infrastructure dans lequel ça dépense beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà, je explique aussi un petit peu après. La destruction de l'économie locale, parce que tous les petits magasins sont remplacés aussi par les chaînes de magasins et aussi des boutiques de luxe pour servir les clients de la Chine continentale. Et en conclusion, pour ça, c'est l'économie de Hong Kong
un peu trop dépendant de la Chine. Ça, c'est aussi le problème qui sont déjà maintenant émergés en Europe, en fait. Les ressources étant allouées à des projets liés à la Chine, voilà. C'est un peu comme en Afrique aussi, hein. Tout en laissant de côté les opportunités qui permettent de diversifier et de stimuler une croissance économique saine. Et pour le projet que j'ai déjà évoqué, White Elephant Project, je peux mettre un exemple de TGV à Hong Kong. C'est totalement fou. Hein? Ça coûte combien? Ça coûte 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros pour combien? C'est pour 26 kilomètres. Si vous n'avez pas l'impression, c'est quoi 26 kilomètres, je peux donner un exemple. Ligne 8 de métro. À Paris, c'est presque 26 km. Et puis, la durée de voyage, c'est combien? C'est 48 minutes. Mais ça coûte 8 milliards d'euros. Et puis, il y a beaucoup de dettes pour Hong Kong, pour le gouvernement hongkongais, Chine. Et ça, c'est... Je veux dire, Hong Kong était comme un modèle expérimental pour la Chine. D'abord, ce moment-là, c'était encore 2010-2011. Et après 2013, à partir de 2013, c'est quoi ça? C'est l'imposition de la route de soi. Tout ce projet en Italie, en Monténégro maintenant. Monténégro a aussi eu une dette immense. Et aussi, après, il y a beaucoup de pays africains, asiatiques, comme Indonésie, Vietnam, tous les pays comme Kazakhstan aussi. Il a aussi eu beaucoup d'aides. Je peux donner aussi un peu d'exemples après. Et puis à Hong Kong, on dit qu'il y a une tendance de changement de harcèlement à criminalisation. Avant, par exemple, pour moi, ceux qui participaient aux mouvements sociaux a été seulement menacés par les agences chinoises. Mais maintenant, c'est pas seulement menacé, il y a aussi arrestation et puis il faut être envoyé aussi au tribunal. Et puis après la loi sur la sécurité nationale, on peut voir qu'il y a beaucoup de changements. Je ne dis pas tout ce qui s'est passé en 2019, il y a beaucoup de trucs on peut mettre pendant la discussion. Mais après la loi sur la sécurité nationale, je peux lister quelque chose. Hein. Par exemple, la seule commémoration de massacre de Tiananmen, maintenant, c'est déjà disparu. Parce que... Il avait lieu à Hong Kong, c'est le seul endroit qui peut encore faire cette commémoration. Mais maintenant, c'est à cause de cette loi, ils sont totalement interdits. Et puis, il y a beaucoup de médias, les grands médias comme Apple Daily, ils sont déjà été forcément fermés. Pourquoi? Parce que l'accès de ces médias ont été gelés par le gouvernement. Et puis, il y a... aussi des députés à Hong Kong qui ont plus que 50 députés ont été emprisonnés. De plus en plus de journalistes étrangers ont été aussi interdits d'entrer à Hong Kong. Des syndicats à Hong Kong, des médias indépendants sont dissous. Des associations ou des syndicats étudiants ont été aussi arrêtés par le gouvernement. Et il y a un cas qui a totalement ridicule, c'était le syndicat dans mon université. Des étudiants ont été arrêtés par le gouvernement hongkongais. Pourquoi? Parce qu'ils ont été possédés trop de chocolat. Mais pourquoi ces chocolats? Parce que ces chocolats vont être envoyés aux prisons pour les prisonniers politiques. Et c'est pourquoi ils ont dit ça, c'est la violation de la loi sur la sécurité nationale. Et puis, là, en fait, il y a beaucoup de trucs aussi à Amnesty.
Amnesty est assez connu. Hein? Amnesty, maintenant, a été fermé aussi à Hong Kong. Et puis, il y a beaucoup de films qui ont été interdits. Il y a des lois aussi sur fake news, censure aussi vont être passées bientôt. C'est quoi la signification de tous ces phénomènes? Il n'y a plus l'appui pour le support de, pour le support de mouvements sociaux en Chine. Parce qu'avant, en fait, Hong Kong a sert toujours comme une base de mouvements sociaux en Chine. Il y a beaucoup de ONG qui ont envoyé des fonctionnaires, des employés aussi en Chine pour opérer des ONG. Il y a aussi beaucoup de soutien. Par exemple, tous les ONG que j'ai déjà évoquées en Chine, en fait, ils ont eu aussi les liens à faire celles à Hong Kong. Mais en fait, maintenant, Hong Kong est disparu. Et puis, il y a aussi beaucoup de fonds qui passent aussi par Hong Kong pour soutenir aussi des mouvements sociaux et la construction de la société civile en Chine. Mais maintenant, comme NST a été aussi été dissous, il n'y a plus le moyen pour la société civile, pas seulement à Hong Kong, hein, mais aussi en Chine, pour continuer. Et puis, le prochain parti, je ne souligne pas beaucoup les trucs à Taïwan parce que c'est voilà, c'est un peu trop loin, mais je voulais dire un petit peu sur le soft power en Chine. En fait, maintenant, il a déjà dit le soft power, mais en fait, il a beaucoup de trucs. J'ai choisi quelque chose, par exemple, pendant le mouvement à Hong Kong, en fait, le 2019, BNP, voilà, ça c'est une banque française, elle a licencié un manager qui a soutenu le mouvement. Pourquoi? Parce que la direction de BNP a été menacée par le gouvernement chinois. Et puis, il y a des députés français qui ont su ça. Et puis, il a prévenu aussi le gouvernement ici. Mais en fait, le gouvernement français ne peut faire rien, en fait. Et puis, il y a aussi l'Institut Confucius. Ça, c'est une institution assez critiquée, en fait. C'est parce que par la Chine, elle a introduit cette institution comme, comment on dit, comme Alliance française, on peut dire, voilà, c'est un peu comme le Goethe-Institut d'Allemagne, mais ce n'est pas vrai parce que Alliance française, au Goethe-Institut, c'est un centre de langues appliquées qui sont séparées. Comment on dit, séparé de la direction éducative du gouvernement français en Allemagne. Ce n'est pas totalement serment lié avec le gouvernement. Mais en Chine, c'est totalement différent. En fait, c'est pour toute la structure de Confucius Institute, en fait, c'est totalement lié avec la direction du Parti communiste chinois. Et puis maintenant, c'est aussi totalement monopolé. Par exemple, ici en France, si un Taïwanais veut enseigner la langue chinoise à l'université, il faut passer d'abord l'examen à l'Institut Confucius à l'université française. Et si c'est un Taïwanais, il faut passer aussi un examen pour déclarer aussi qu'ils sont une partie de la Chine. C'est totalement ridicule parce que Taïwan, pour beaucoup de monde, c'est un peu comme une région assez indépendante de la Chine. Mais c'est totalement maintenant manipulé par tous ces moyens intellectuels et aussi financiers parce que l'Institut Confucius, elle a aidé à organiser tout le programme aux universités européennes. Par exemple, en France, à mon université aussi. Hein. Oh. À mon université, il y a des centres sur China Studies,
les trucs comme ça, en fait, ils ont déjà organisé tous ces programmes, sont organisés par l'Institut Confucius. C'est-à-dire, la bourse, le financement de recherche, ont été totalement soutenus par le Parti communiste chinois. Et s'il y a des autres discours hors de programme de ce parti, normalement, c'est interdit. Et je peux donner aussi un autre exemple. Selon Neue Zürcher Zeitung, voilà, c'est en Suisse, à l'université Saint-Gallen, il y a un étudiant, un doctorant qui s'appelle Olivier Gerber. C'était pendant le Covid, il a critiqué la Chine sur son Twitter. Et puis, comme son directeur a eu peur de la perte de visa chinois ainsi que la menace de l'État chinois, son directeur a retiré la direction de thèse. Et puis comme ça, cet étudiant, Olivier Gerber, il a perdu aussi sa qualification de la thèse, parce qu'il a perdu son directeur. C'est aussi un autre exemple. Montrer c'est quoi l'influence de soft power de la Chine actuellement. Et puis pour le Covid, je pense que tout le monde sait aussi, pour la fuite de virus, il y a aussi la demande des enquêtes sur le laboratoire de P4. Le gouvernement français a déclaré aussi, ah, P4 maintenant, c'est totalement hors de notre contrôle. Mais en fait, personne ne peut entrer en Chine pour faire les enquêtes sur P4. Ce qui s'est passé là-bas, c'est totalement inconnu. Et puis, pour la distribution de vaccins, c'est aussi un autre sujet qui est assez sensible, parce que pour la Sinovac, c'est toujours prouvé comme pas vraiment très efficace. Et parfois, peut-être, c'est un faux hasard, hein, peut-être, mais on ne sait jamais. Mais ce n'est pas très efficace, c'est sûr. Et puis, c'est exporté aussi tous les pays en Afrique, au Yémen. Ça affecte aussi la santé publique mondiale. OMS, c'est manipulé aussi par la Chine. Ce moment-là, le directeur général, je ne sais jamais comment prononcer son nom. C'est Gebert Chies? OK. D'abord. En fait, il, à fond, au tout début, il a dit non, il n'y a pas du tout la pandémie. Mais en résultat, c'est quoi? C'est comme un nom. Et puis, il y a aussi un autre truc intéressant qui n'est pas vraiment très, évoqué beaucoup par les Européennes. C'est sur Taïwan. En fait, il y a aussi beaucoup de mesures prises par le gouvernement taïwanais avec beaucoup de succès. À ce moment-là, il y a des médias asiatiques, y compris des médias Hong Kong, à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas encore la loi sur la sécurité nationale. Ils ont demandé au OMS pour faire une enquête sur positive sur Taïwan. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir comment on peut faire les mesures de confinement contre le Covid plus efficacement. Mais pendant tous ces entretiens, une fois si on évoque le mot Taïwan, je ne sais pas pourquoi la connexion est trop mauvaise. Et puis c'est coupé, c'est toujours coupé. Et puis il y a encore des YouTube, vous pouvez chercher OMS, entretien, par exemple ETHK, c'est une chaîne hongkongaise, voilà, Taïwan. Et puis vous pouvez trouver aussi beaucoup de coupures de connexion. Ok, ouais. Je monte aussi un petit peu le soft power et puis je termine.
Et pour le Sri Lanka, voilà, on retourne un petit peu au projet de la route de soie. Sri Lanka, en fait, il a déjà loué son port en 2017 à la Chine pendant 99 ans. C'est un peu comme la colonisation en ce moment-là. Hong Kong, c'est la même situation. Hein. C'était à Grande-Bretagne, mais maintenant, c'est le cas inverse. Et Pakistan, c'est aussi une autre catastrophe. Givani, Quadra. Malheureusement, en fait, je sais, il y a aussi beaucoup de Hongkongais qui ont investi, aidé la construction des portes là-bas. C'est les Hongkongais pour China. Et puis, il y a aussi le chemin de fer. En fait, c'est le chemin de fer TGV aussi, à travers de la région. Comment ça s'appelle? Attends, je cherche le nom. C'est pas court. C'est Alpha B. J'ai déjà oublié comment il s'appelle. J'ai déjà oublié le nom. C'est Pakosistan ou quelque chose comme ça. J'ai déjà oublié le nom exactement. Mais en fait, là, c'est en fait un dessert. C'est un dessert. Et puis, si on veut construire un chemin de fer là-bas, ça coûte beaucoup plus cher qu'une construction sur la terre qui sont assez solides, hein, voilà, bien sûr. Mais là, en fait, maintenant, c'était l'année dernière, en fait, la Chine a forcé GAFI, GAFI, pour enlever les sanctions de Pakistan. Pourquoi? Parce que comme ça, Pakistan peut prêter l'argent pour continuer la construction de ce chemin de fer. Et là, ce chemin de fer, il y a aussi un autre scandale, parce que ça traverse aussi les portes Quadra, Givani et aussi Kashgar. Kashgar, c'est quoi ça? C'est le centre, c'est filmé par les États-Unis, c'est le centre de concentration et rééducation. C'est pour transporter toutes les ressources et aussi les forces, les souffliers forcés. Le dernier, je voulais en dire un petit peu, c'est l'Afrique. En fait, l'Afrique, voilà, c'est un peu trop. OK. J'arrête aussi. Ah non, je veux dire aussi, récemment, il y a aussi une culture qui s'appelle Yuhua. Yuhua, c'est insulter la Chine. C'est trop facile, en fait. Il y a une chanson qui s'appelle, comment on dit ça, c'est le Berserker par un chanteur malaisien. Vous pouvez chercher très facilement. Ils ont déjà atteint beaucoup de vues sur YouTube parce qu'ils mordent aussi cette culture. Et maintenant, c'est trop facile d'insulter la Chine. Par exemple, Zhao Ting a déjà insulté la Chine parce qu'elle a critiqué un petit peu le Parti communiste. Et maintenant, Eternal devient aussi un film qui insulte la Chine. Et pour Shang-Chi, par exemple, parce que le personnage principal, il semble un peu trop proche de Xi Jinping. Et puis, tout le monde a dit, ah, ça, c'est aussi un insulte de la Chine. Il y a trop de cas. Par exemple, Sony a été indemnisé vastement parce qu'il a introduit un produit le 7 juillet. C'est quoi le 7 juillet? Le 7 juillet, c'est un événement j'ai oublié, c'est un événement sur le pont pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, je pense que Sony a déjà oublié ça. Et puis, il a déjà lancé une présentation d'un nouveau produit à cette date-là. Et puis, il a été maintenant puni par le gouvernement chinois.
Ok, je rate ici et puis voilà. On va partir passer le micro dans la salle. Merci.